Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, réveille ta femme. Oui, nous devons commencer la prière parce que nous sommes à notre espace de prière OSB. C'est le matin que Jésus allait dans un lieu désert pour prier. Quand tu commences ta journée avec la prière, tu possèdes déjà les bénédictions de la journée. Ne sois pas distrait. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 9, 1 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Marc 9, 1 à 13. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car il ne savait que dire. » L'effroi les ayant saisis, une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus les recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que les fils de l'homme furent ressuscités des morts. Ils retinrent cette parole, se demanda entre eux ce que c'est ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous l'ai dit qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Amen. » Il y a 3 vérités qui se dégagent de ce passage. Voici la première vérité. Soyons dans l'intimité de Jésus et il nous révélera de grandes choses. Il nous révélera sa gloire. Oui, nous voyons ici qu'il y a un cercle des disciples qui faisaient partie des intimes de Jésus-Christ, ceux avec qui il s'est retiré de temps en temps. C'est vrai, il avait 12 disciples, mais il avait un cercle des intimes. Il s'est retiré avec eux pour leur révéler certaines choses auxquels les autres disciples n'avaient pas peut-être droit ou bien que les autres disciples ne pouvaient pas expérimenter. Il s'agit de Jacques, Jean et Pierre. Il est dit ici au verset 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Vous voyez, le verbe transfigurer, et c'est le même verbe qui signifie métamorphoser. La transfiguration de Jésus ici, c'était une révélation de sa gloire. Il venait de dire à Pierre qu'il faut que le Fils de l'homme puisse mourir sur la croix. Il va souffrir entre les mains, puis il va ressusciter. Et Pierre avait dit non, je ne peux pas comprendre cela. Il a repris Jésus. Mais ici, Jésus est en train de montrer que au-delà de la souffrance, il y a une gloire qui va arriver. Et il révèle une partie de sa gloire. Et c'est dans l'intimité que Jésus peut nous révéler des grandes choses, des choses extraordinaires. Oui, bien-aimés, nous devons faire partie des intimes de Christ. Et si tu veux partir pour être intime de Christ, il faut l'aimer. Il faut passer du temps avec lui, se retirer avec lui. Vous voyez ici, pour que Jésus révèle ces choses
à Pierre, Jacques et Jean, il s'est retiré avec lui sur la montagne. Quand nous avons l'habitude de nous retirer dans la présence du Seigneur, de nous retirer dans la prière, dans le jeûne, à avoir des retraites, nous ferons partie des intimes, de ceux-là à qui Jésus peut nous communiquer, peut nous révéler des secrets, peut nous révéler sa gloire. Et ici, cette gloire est palpable à travers la blancheur de ses vêtements. Le verset 3 dit, « Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » De telle sorte que Pierre lui-même était ébloui par ce qu'il a vu. La Bible dit qu'Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, car il ne savait que dire l'effroi les ayant saisis. » Amen. Deuxième vérité concerne la révélation sur la personne de Jésus. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Conséquence, nous devons l'écouter, c'est-à-dire nous devons lui obéir. La Bible dit ici au verset 7, « Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » C'est la même voix qui a parlé le jour où Jésus fut plongé dans les eaux du baptême par Jean-Baptiste. Une voix se fit entendre, c'est la voix de Dieu le Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est différent des autres personnages. Il ne peut être comparé à Élie ni à Moïse. Quand bien même dans cette vision de la transfiguration, ils ont vu et Jésus, Élie et Moïse. Mais Jésus est au-dessus de Moïse, il est au-dessus d'Élie, il est au-dessus des prophètes. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus est le Fils de Dieu. S'il est le Fils de Dieu, nous devons l'écouter. C'est-à-dire, nous devons lui obéir. Je veux parler à un frère. Ça fait longtemps que le Seigneur t'a parlé. Il t'a dit d'abandonner les choses du monde, d'abandonner des mauvaises fréquentations. Tu t'en vas dans des boîtes de nuit. Tu es déjà marié, mais au-delà de minuit, tu te retrouves avec des amis. Des fois, tu ne rentres pas à la maison et tu dis à ta femme que tu avais une réunion avec les ministres. Et tu sais que c'est faux. Ce n'est pas sérieux. Ça fait longtemps que l'Esprit de Dieu t'a mis en garde, on t'a prêché, tu vas d'église en église. Quand un pasteur prêche quelque chose qui touche ton cœur, tu chantes d'église. Ce n'est pas ça la solution. Il faut écouter Jésus. C'est lui le Fils de Dieu. Quand il te reproche, il faut te repentir et non te révolter. Écoutez-le. Troisième vérité. Nous avons besoin de l'illumination pour comprendre les Écritures. Vous voyez, il y a souvent des personnes qui lisent la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament. Mais il y a quelque chose dont nous avons besoin, c'est l'illumination. Ça se passe sur le plan spirituel. Si tu n'es pas illuminé par l'action de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme de maîtrise en lettres ou bien un doctorat que tu peux comprendre la parole de Dieu. L'homme animal, disait Paul, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie, car c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez ici les disciples, ils posent des questions à Jésus sur ce que disent l'Écriture, parce qu'ils avaient besoin de comprendre et il fallait l'illumination, il fallait que Jésus les éclaire pour qu'ils comprennent le sens des Écritures. Il est dit ici, au verset 9, « Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que les filles de l'homme furent ressuscitées des morts. » Ils réitèrent cette parole et se demanda entre eux ce que c'est ressusciter des morts. Ils ne comprenaient pas. Il fallait donc que Jésus-Christ puisse les éclairer. Et ici, les disciples, au verset 11, firent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Donc, les scribes étaient en train de dire ce que l'Écriture ou l'Ancien Testament dit. Et Jésus répond, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé ?» Vous voyez, il pose une question sur ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Il pose la question et Jésus est en train de les éclairer afin qu'ils comprennent. Et il dit au verset 13, « Mais je vous dis qu'Élie est venu
et ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Élie dont Jésus parlait ici, qui était venu, c'était Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être illuminés afin de comprendre l'Écriture. Chacun de nous doit prier pour dire, Seigneur, aide-moi à être éclairé, éclaire-moi, illumine-moi, afin que je comprenne ta parole au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer à travers ce chant. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même à la vie. Il nous attend pour les péchés. L'autre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne, ô paix profonde, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verset des langues dans tous les ondes, change le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout l'amour du Père. Les hommes et remplirait les places entières de ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ce trône. Ce roi, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu, que rien n'est lasse pour nous encore vivra. Sa grâce amène, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est les chants que font entendre les anges. Gloire
gloire au Seigneur. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur, pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour toi. Tous les jours de ta vie, tous les jours, il te garde, il te protège, il t'a protégé cette nuit. Il mérite la louange. Élève ta voix. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Vous pouvez également suivre OSB sur YouTube. Chaque 5h du matin, 00 temps universel, OSB est diffusé sur YouTube. Vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, en Asie, au Canada, vous pouvez suivre chaque jour du lundi au samedi OSB sur YouTube. Et vous pouvez même partager les liens avec des frères et sœurs, des amis. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont fidèles à OSB. Nous vous encourageons de partager cette émission par les médias sociaux pour que nos amis, nos parents qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis et aussi puissent prier avec OSB. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 9, 1 à 13. Soyons des intimes de Jésus. Faisons partie des cercles intimes pour qu'il nous révèle sa gloire comme il a fait à Pierre, Jacques et Jean. Que chacun prie pour dire Seigneur, fais de moi ton intime pour que tu me révèles de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin nous sommes dans la joie lorsque nous invoquons ton nom. Pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grandes réalisations, nous nous tournons vers toi, Père, en signe de reconnaissance et nous demandons la manifestation de ta grâce dans nos vies. Nous voulons être plus proches de toi, Père éternel. Fais de nous tes intimes, fais de nous des personnes proches de toi, afin que nous puissions profiter véritablement de ton onction, afin que nous puissions être efficaces dans tout ce que nous entreprenons, afin que notre foi soit édifiée et afin que spirituellement nous soyons élevés. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour nos frères, pour nos sœurs qui n'ont pas cette intimité avec toi. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle au rapprochement avec toi est ôté. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Père, merci pour tous tes bienfaits, merci pour toutes tes grandes réalisations, merci pour la sécurité que tu nous donnes
donnes chaque jour, parce que tu nous as ordonné de contribuer à l'avancement de ton œuvre et nous sommes des disciples. Fais en sorte que nous soyons des disciples accomplis. Fais en sorte que nous soyons des disciples modèles. Fais en sorte que nous soyons des exemples partout où nous allons. Éternel Dieu, au travers de ta parole, nous voulons nous rapprocher véritablement de toi, que notre foi soit édifiée. Ta parole déclare, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Merci Père, merci pour la sécurité que tu nous donnes, merci pour la protection que tu nous donnes, merci parce que tu fais de nous des enfants de Dieu accomplis. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous voyons ici la révélation sur Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Une voix se fit entendre, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Nous allons prier pour que chacun de nous soit obéissant à Jésus. Si tu te rends compte que le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a donné une direction et que tu n'as pas suivi jusque-là, demande-lui pardon et dis, « Seigneur, aide-moi à t'être obéissant. Je vais t'écouter. Je vais marcher selon tes voies. Je vais marcher dans l'obéissance à tes commandements. » Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu, elle s'est faite chair, elle a habité par nous. Oui, c'est sur la base de cette parole. Ce matin, nous voulons prier le Père, au nom de Jésus-Christ, qui nous aide à obéir à la parole de Christ. C'est lui notre sauveur, c'est lui notre berger. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous, qui nous a rachetés à un grand prix. Elle nous a lui obéi à marcher selon ses voies, à mettre en pratique sa parole. Merci Seigneur, parce qu'il est tout pour nous. C'est lui que à lui nous regardons pour notre salut, pour notre protection, pour notre vie, pour notre bonheur, pour notre paix. C'est lui qui nous a donné le Saint-Esprit. Sa parole est vie. Seigneur, aide-nous à t'obéir. Il y a des fois, nous te désobéissons. Nous prenons nos voies. C'est pourquoi ce matin, nous gémissons, nous soupirons, nous t'implorons, nous te demandons pardon. Nous voulons revenir à ta parole et t'obéir. Parce que tu es le chemin qui mène à Dieu. Tu es la vérité de Dieu. Tu es celui-là qui peut nous aider, notre Dieu, notre Père, à travers ton esprit. Seigneur, viens nous aider à t'obéir, à obéir à ta parole, à être conduit par ton esprit, à être toujours dans ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'illumination pour comprendre les saintes écritures. Il y a beaucoup de gens qui vont à la messe, qui vont à l'église, mais ne comprennent pas les écritures. Nous avons besoin d'être éclairés. Nous allons prier, que chacun prie pour dire, Seigneur, éclaire-moi, afin que je comprenne ta parole. Éclaire-moi, pour que réellement, quand j'écoute ta parole, quand je lis ta parole, je puisse comprendre ce que tu veux me communiquer comme pensée, au nom de Jésus-Christ. Prions pour que dans nos églises, nous puissions avoir la révélation, l'illumination, pour comprendre les saintes écritures, au nom de Jésus. La force dans la prière.
Gloire à notre Dieu, gloire à notre Père, gloire au Saint-Esprit, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous sommes là pour te dire infiniment merci. Parce que depuis les temps passés, depuis hier et jusqu'à ce petit matin, nous ne contemplons que tes merveilles. Nous ne voyons que tes grâces infinies, tes bontés se sont renouvelées. Et nous voici encore devant une journée pleine de faveurs, une journée pleine de bonnes choses que tu as préparées pour nous. Nous sommes là à cause de ta parole. Et ta parole nous dit que nous devons t'aimer et obéir à cette parole et marcher par la parole et la serrer dans notre cœur. Il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, nous voulons que ta parole, oui, nous fasse du bien quand nous la lisons, que nos oreilles, nos cœurs s'ouvrent et que nous tirons les leçons de ta parole et que cette parole qui crée et qu'en ayant foi en cette parole, la santé soit crier en nous, que la vie de Dieu soit manifeste en nous par la méditation, par la compréhension. Pendant que tes serviteurs sont en train d'enseigner, sont en train de prêcher, oh papa, que cette parole vienne dans le cœur de quelqu'un pour restaurer, renouveler, requinquer, redonner, Seigneur, une nouvelle image de cette personne et donner des pas à prendre pour l'avancement de ton royaume. Nous bénissons ton nom pour l'efficacité, la puissance de ta parole. Elle est puissante et cette parole, nous la désirons encore plus puissante par l'onction du Saint-Esprit qu'elle se dégage pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous enseigner, nous instruire, pour nous conjurer, nous orienter. Béni sois-tu pour l'effet de ta parole dans notre vie, dans notre entourage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que cette émission vous fait du bien et demain, nous vous donnons encore rendez-vous à la même heure et à la même chaîne. C'était OSB. Au revoir. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.